Pour vous aider à planifier vos prochaines activités, voici vos prévisions locales pour votre région. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici les prévisions de Météo Média pour les prochains jours. Avec un système qui, pour le jour de l'Halloween, s'amène par la porte de l'ouest, on prévoit de la pluie du côté de l'Abitibi et du Témiscamingue. En quantité et en intensité de précipitation, c'est le secteur qui sera le plus touché. Cependant, pour la collecte des bonbons, certains secteurs du centre, surtout au nord du fleuve, et de l'est du Québec connaîtront un régime d'averse. Tout ce temps-là, pour le sud de la province, on est un peu plus chanceux avec une alternance de soleil et de nuages, même jusqu'à Québec. Ce sera des températures qui seront chaudes, sauf dans l'ouest de la province, on parle de températures plus saisonnières, mais c'est surtout un Halloween qui sera assez venteux. Vendredi, on commence à être derrière la dépression, ce qui veut dire que le retour d'air amène de l'air un petit peu plus froid, précipitations qui seront mêlées sur l'ouest du Québec, mais en très faible quantité. Averse le matin sur le sud de la province, dégagement par la suite, et un régime d'averse pour les secteurs du centre et de l'est, mais encore là, en faible quantité. C'est doux sur le sud, tandis que ailleurs, c'est le retour à des moyennes un petit peu plus saisonnières. Ce sera encore pour vendredi venteux. Pour l'instant, la fin de semaine s'annonce samedi et dimanche avec une bonne part de soleil, température de saison ou légèrement inférieure à celle-ci pour certains secteurs, tandis que ce sera aussi un peu venteux en fin de semaine, mais rien à écorner les bœufs. Le début de la semaine prochaine verra du temps frais, mais un réchauffement par la suite est prévu. On aura une succession de systèmes dépressionnaires. Si vous recherchez plus de détails pour chez vous, je vous invite à consulter le www.météomédia.com. Chaque jour, nos experts météo vous aident à planifier vos déplacements, organiser vos activités et assurer votre sécurité. Parce qu'à Météo Média, la météo, c'est notre métier.